Bonjour à tous. Ben là, vous venez de voir un petit extrait d'une explosion atomique. Hein. Parce que comme dans beaucoup de mes vidéos, je parle des signes annonciateurs de la fin de notre monde, hein, surtout de l'arrivée de l'Antéchrist. Le fait que nous soyons entrés dans l'ère atomique est un autre signe. Ensuite, vous avez vu un petit extrait des futures voitures volantes. Mais bon, comme vous l'avez remarqué, ce sont des voitures à hélices. Hein. Moi, personnellement, les voitures volantes dans le futur, ce sont des modèles antigravitationnels qui n'auront plus d'hélices. Bon, pour l'instant, c'est un peu l'intermédiaire, hein, la petite voiture volante à hélices, hein, parce que je pense que dans le futur, ça ne sera que de l'antigravitation. Avant le retour du Christ sur Terre, la Bible nous enseigne que Dieu fera surgir un antéchrist pour qu'il accomplisse ses desseins sur un plan terrestre. Sa mission première consistera à nous préparer à cet événement qui marquera la fin de notre monde. Ben, Jésus-Christ avait annoncé l'arrivée de ce mystérieux monarque dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 14 verset 26. Jésus-Christ disait, le Paraclet que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Cet Esprit Saint était considéré par la religiosité comme venant d'en haut. Lorsque le Christ disait que ce paraclet vous enseignera toutes choses, cela sous-entendait qu'il apportera avec lui une nouvelle connaissance du monde terrestre et spirituel. Grâce au développement d'une technologie hors norme, hein, qui se détachera des lois de la physique, connues actuellement, hein, ce paraclet ou antéchrist, hein, visitera le passé de l'histoire de l'humanité et nous apportera des éclaircissements quant au bien fondé des différentes religions monothéistes. Hein. Les écrans de ces différentes machines scanneront certains épisodes de notre passé et nous brancheront probablement sur des scènes qui auront marqué l'histoire religieuse du monde, telles que l'ouverture de la mer Rouge, hein, par Moïse, et celle de la crucifixion du Christ. Par exemple, l'invention d'un étrange appareillage connu sous le nom de chronoviseur et mis au point par des moines italiens bénédictins dans le courant des années 60 aurait, d'après leurs inventeurs, réussi à nous transmettre certaines images de la destruction par Dieu de Sodome et Gomorre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du chronoviseur, je vais vous faire un bref petit récapitulatif. Ben, un moine bénédictin italien de Venise, hein, le padre Pellegrino Ernetti, hein, spécialisé en physique et musicologie, hein, ayant travaillé 20 ans plutôt dans le laboratoire d'acoustique de l'Université catholique romaine de Milan, hein, aurait mis au point, du moins, aurait inventé une machine à voir le passé. Ce chronoviseur aurait entre autres permis de récupérer certaines scènes de notre passé avec les images et les sons. Ben, peu de détails nous ont été donnés sur cette étrange découverte, hein, si ce n'est qu'elle opérait sur le principe de la reconstitution d'une certaine catégorie d'ondes lumineuses et sonores qui seraient d'une nature éthérique, voire psychique. Ce genre d'ondes psychiques, une fois émises, ne seraient pas détruites, mais se transformeraient. Bien que nous n'ayons pas d'informations sur le fonctionnement de ce chronoviseur, il semble capter des ondes de nature psychique. Hein. Je crois même que cet appareil se connecterait aux fameuses archives akashiques, véritable bibliothèque de l'astral où toute l'histoire de l'humanité et celui des âmes seraient en fait enregistrées puis compilées dans des livres chargés énergétiquement, hein, et spirituellement parlant. Il faudra attendre tout de même plus de 20 ans pour en savoir un peu plus sur ce mystérieux chronoviseur. Ce sera le père François Brune qui, en 1993, consacra 11 pages d'un livre à cette mystérieuse machine. Le père François Brune prétendait avoir rencontré 30 ans plus tôt le père Ernetti, hein, sur le ponton d'un embarcadère à Venise, hein, qui lui aurait dit quelques mots concernant cet appareil mystérieux et l'aurait invité à aller le voir dans son monastère sur l'île de San Giorgio. Bah, de l'entretien, on apprendra quelques détails supplémentaires sur le chronoviseur. Hein, et ce qu'il permettait de réaliser. C'était en trois dimensions comme des hologrammes avec le mouvement et le son, mais sans la couleur. Les divers sondages du passé auraient permis d'obtenir l'image de Mussolini, de George Washington, tous les deux en plein discours, de Napoléon, de Cicéron. Nous ne captions pas juste des images de gens, mais des scènes de tous les jours, particulièrement de l'ancienne Rome. Non seulement les gens étaient visibles, mais aussi les maisons, les arbres et les animaux. Bah, l'avènement de ce genre de technologie, hein, nous expliquerait entre autres pourquoi le Christ disait que le Paraclet que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous fera se ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Bah, les écrans de l'Antéchrist feront ressurgir l'histoire cachée de l'humanité. Hein. Quand je parle des écrans de l'Antéchrist, je parle de toutes ces technologies hors normes qui vont apparaître dans le futur. Hein.
Le chronoviseur fait partie de l'une de ces technologies. Je pense que l'Antéchrist va reprendre cette technologie pour l'affiner. De nos jours et dans un monde matérialiste, hein, où l'apostasie se généralise sur une échelle planétaire, on a beaucoup de mal à faire accepter ce genre d'information. Oui, parce que ça relève plus de la science-fiction que d'une réalité objective. Hein. Et c'est bien à cause de la présence de ce dogme ultralibéral démocratique dont l'idéologie libertaire est trompeuse, est imposée, répétée régulièrement et quotidiennement au peuple, souvent de la maternité à la tombe, hein, en passant par l'école. Hein. Les médias, la culture, voilà l'entreprise, hein, qu'il est grand temps pour tout le monde de sortir de cet aveuglement que nous impose l'oligarchie régnante, hein, à travers son réseau médiatique. Hein, parce que là, on est complètement, du moins, vous êtes surtout complètement endormi, hein, vous ne réagissez même plus, hein, surtout que depuis quelque temps, le gouvernement est en train d'élaborer des lois encore plus liberticides. Et ça passe comme des lettres à la poste, hein, il n'y a plus de réaction. Bon, quant à l'opposition politique, elle est pratiquement inexistante en France, hein. Ben, c'est bien au milieu de ce brouhaha démocratique où les leaders de partis politiques et les gourous de mouvements sectaires sont devenus les animateurs d'une société en pleine décadence que Dieu fera surgir l'Antéchrist. Car c'est bien grâce à une impulsion divine que ce mystérieux grand monarque sera propulsé sur les devants de la scène mondiale. Sa présentation au peuple de la planète se fera probablement accompagnée d'extraterrestres, hein, la divinité se chargeant de les réunir pour préparer la programmation future. Bah, dans beaucoup de ces quatrains, Nostradamus évoquerait ce mystérieux grand monarque, hein, que la Bible appelle l'Antéchrist. Hein. Lui, Nostradamus l'appellerait le grand Chirène. Et dans le quatrain suivant, Nostradamus nous préciserait que le grand Chirène, alias l'Antéchrist, sera dans un premier temps aimé puis redouté par la suite. Il s'adresse à lui en disant au chef du monde, le grand Chirène sera. Bah, ce qui revient à dire que ce mystérieux grand monarque que la Bible appelle l'Antéchrist deviendra le chef du monde. Hein. Bon, là, je vous cite la Sentier 6, 470 de Nostradamus. Au chef du monde, le grand Chirène sera. Plus outre, après, aimé, craint, redouté. Son bruit et l'ose, les cieux surpassera. Hein. Et du seul titre, victoire, fort contenté. Bah, dans beaucoup de mes vidéos, je dis que ce mystérieux grand monarque, dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles, correspondrait en fait à cet autre grand monarque dont les musulmans lui donneraient le titre de Mahdi. En langage plus clair, le grand monarque des chrétiens sera en fait le Mahdi des musulmans, c'est qu'une seule et même personne. Vous n'aurez pas de grand monarque avant la fin des temps. Bah, Nostradamus semble aussi l'affirmer dans ce quatrain, Centurie 3, 87, un prince libynique puissant en Occident. François d'Arabe viendra à temps enflammé, savant aux lettres sera condescendant, la langue arabe en français translatée. Bah, lorsque Nostradamus dit prince libynique puissant en Occident, François d'Arabe viendra à temps enflammé, il nous explique qu'un prince arabe venant de la région libyque, c'est-à-dire du Maghreb, deviendra puissant en Occident. Bah, il parle ouvertement du grand monarque et de ses origines arabes. Hein. François d'Arabe voulant dire arabe de France. Il y a tout de même une petite correction à apporter à ce quatrain, c'est le mot libynique, qui en réalité est libyque. Le libyque étant un ensemble de langues déclinées en plusieurs dialectes, autrefois parlées par les populations libyques de Libye antique et en Afrique du Nord. Maintenant, je vais vous parler d'un rêve. D'ailleurs, bon, je vais. Dans ce quatrain de Nostradamus, c'est dit clairement. Hein, prince libynique puissant en Occident, François d'Arabe viendra à temps enflammé, savant en lettres, sera condensé dans. En langage plus clair, on lui dit que ce grand monarque qui, en fait, sera probablement le Mahdi, sera un savant. Hein. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un mystérieux rêve que j'avais fait il y a de cela plusieurs mois. Hein. Bon, j'ai pas voulu en parler, j'ai pas voulu le divulguer surtout, car je n'en comprenais pas vraiment la signification. Il me paraissait surréaliste. D'ailleurs, j'avais l'impression que c'était qu'un simple rêve hein, qui m'avait projeté dans le futur. Ben, je vais vous le raconter là. Ben, je planais dans les airs et du haut du ciel, il me semblait voir une caserne. Bon, donc j'ai commencé à descendre, alors tout doucement vers cette caserne, et j'y ai vu des drapeaux français, donc j'étais bien en France. Bah, je regardais autour de moi et là je vois passer trois militaires. Mais le problème c'est qu'ils avaient les pieds dans une sorte de petit caisson. Et ce caisson était surmonté d'un tube qui montait vers le haut en se terminant comme une sorte de guidon de vélo.
Bah, les militaires qui avaient les pieds dans le caisson et les mains sur le guidon volaient à une vitesse incroyable. Ils étaient, d'ailleurs, leur système de propulsion n'avait pas d'hélice ni de réacteur. Ils étaient en lévitation. Bah, ça m'avait surpris parce que je les ai vus arriver devant moi, mais à des vitesses assez grandes, mais ils étaient à plus de 70 cm du sol. Ils tenaient leurs mains sur les guidons, ils avançaient avec leur système. Bah, j'en avais conclu que nous étions, du moins que j'étais en présence d'appareils non conventionnels, hein, qui fonctionnaient logiquement par antigravitation. Hein. Parce que bon, comme j'ai lu beaucoup de revues ufologiques et tout ça, donc je sais que s'il n'y a pas d'hélice ni de réacteur, c'est que c'est de l'antigravitation qui est utilisée pour faire léviter ce genre d'appareil. Bah, intrigué et étant toujours dans mon rêve, j'ai donc décidé de suivre un militaire qui, lui, entrait dans une sorte de hangar. Hein. Parce que les deux autres étaient partis vers un autre lieu et lui, il est rentré dans un hangar. Donc je l'ai suivi, puis là, bon, il y a une porte au fond qui s'est ouverte, comme une grande porte. Il est rentré à l'intérieur et là, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'appareils. Ils étaient posés au sol, ça m'avait surpris. J'avais l'impression que j'étais dans un. Bon, c'était une caserne militaire, je pensais que c'était des appareils de combat, logiquement. Et autour de certaines de ces machines, je voyais des hommes en blouse blanche qui semblaient en étudier le dispositif. Hein. Les machines que j'ai vues n'étaient pas très grandes. Hein. C'était de la taille de nos motos. Hein. Voire vers le fond, j'ai vu deux sortes d'appareils qui avaient la taille de nos voitures. Mais pas de roues. C'est des appareils, c'était comme la taille d'une voiture, mais sans les roues. Donc là, je ne comprenais pas. Comme je l'ai dit, autour de ces machines, vous avez des hommes en blouse blanche. Bon, là, c'était bien des humains. Hein. C'était les techniciens scientifiques de l'armée française, je pense. Ensuite, je suis ressorti du hangar et devant moi, j'ai vu arriver un autre militaire qui, lui, était assis carrément sur une sorte de scooter, mais sans roue. Bah, il volait aussi. Hein. Il était en lévitation à 70 cm du sol. Hein. Et avec son scooter volant, il descendait tout doucement pour entrer dans le hangar. Bah, moi personnellement, comme j'étais plongé dans ce rêve, je ne comprenais pas comment ce scooter sans roue pouvait voler dans les airs sans hélice ni réacteur. J'en avais déduit, comme les autres appareils que j'avais vus précédemment, que c'était de l'antigravitation. Mais bon, c'est assez surprenant parce que vous voyez des appareils arriver devant vous, mais vous ne voyez pas d'hélice ni de réacteur et vous voyez les appareils léviter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme j'ai lu beaucoup de revues sur les ovnis, bah, je commençais à comprendre que ce que je voyais, c'était du matériel hors norme. Non conventionnel, hein, c'était du matériel extraterrestre, je pense. Je ne sais pas où je me trouvais, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que les autorités françaises semblent travailler sur du matériel qui n'a rien d'humain. Elles travailleraient sur du matériel extraterrestre. Hein. Tout cela semble être lié, je pense, aux activités de l'Antéchrist, hein, dans un futur assez proche. Hein. Dans mon rêve, on ne peut même plus parler de simple contact extraterrestre. Hein. C'est carrément du matériel extraterrestre qui est débarqué dans des zones militaires en France. C'est aberrant. Par contre, j'ai fait ce rêve, mais bon, je ne sais pas si ce que j'ai vu c'est réel ou c'est vraiment. J'ai dû reprendre des morceaux d'un film que j'ai mis dans mon rêve, peut-être. Ou probablement que j'ai eu une vision du futur. Ce qui voudrait dire que dans ce futur, cet antéchrist aurait déjà pris le contact avec nos visiteurs extraterrestres et ces visiteurs extraterrestres auraient déjà commencé à débarquer du matériel extraterrestre. C'est pour cette même raison que j'ai dû voir des militaires tester ces machines antigravitationnelles. Si on n'en parle pas actuellement, c'est peut-être que ça ne se serait pas encore produit. Peut-être que le contact n'a pas eu lieu, ou peut-être qu'il a eu lieu. Parce que le rêve, je peux pas vous dire à quelle période du temps j'étais. Je ne sais même pas si c'était un rêve, un simple rêve, ou une vision du futur, ou une vision dans le présent. Parce que si c'est dans le présent, ça voudrait dire que le gouvernement français est déjà en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Hein. Il ne peut pas divulguer l'information parce que, comme je l'ai souvent dit, si on commence à divulguer l'information sur l'Antéchrist, ça voudrait dire que notre monde n'a plus beaucoup de temps à vivre. À vivre. C'est-à-dire, il va être détruit dans très très peu de temps puisque cet Antéchrist précédera la fin de notre monde.
Et bon, il y a aussi l'autre raison, c'est que les oligarchies régnantes veulent profiter de leurs privilèges assez longtemps, donc ils font tout pour que on divulgue pas ce genre d'informations. Puis, je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, cet antéchrist ne va pas servir l'intérêt des oligarchies. Donc, elles s'en méfient comme de la peste, hein, je dirais. Parce que, étant sous les ordres du Créateur du monde, hein, parce que l'antéchrist, c'est un programme ordonné par Dieu, hein, il ne fera qu'accomplir les desseins de Dieu sur la planète. Donc, logiquement, cet antéchrist ne veut pas s'allier avec des oligarchies qui agissent sous une république dite laïque. Hein. D'ailleurs, si cette oligarchie, ces oligarchies ne feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que cet antéchrist se présente au monde, c'est pour des raisons bien précises. Hein. En France, par exemple, nous sommes dirigés par une république laïque et franc-maçonne. Et vous connaissez les francs-maçons, vous savez très bien que les francs-maçons ne supportent pas tout ce qui a trait à la divinité. Mais il arrivera un moment où ce grand monarque, s'il est déjà né, se manifestera tôt ou tard. Puisque si c'est exact qu'en France, les autorités françaises l'empêcheraient de se manifester, en fait permettre aux forces du mal d'accentuer leurs ténèbres sur le monde, bah, il faut que dans ce pays, la France, comprenne que dans le futur, il risque d'y avoir des jugements contre les élites de ce pays, la France. Puisqu'en empêchant ce grand monarque de se manifester, vous permettez aux forces du mal d'agir en commettant des crimes abominables sur le monde. Donc, vous faites les complices du diable et je pense que le monde ne l'acceptera pas dans le futur. Et d'ailleurs, je crois que même le grand monarque va probablement devoir juger certaines élites de l'armée ici en France, ainsi que certains hommes politiques, je ne parle pas de qui se sont succédés. Ça, c'est dans le futur. Quant à ma vision dans la caserne, je vous l'ai dit, je ne peux pas vous dire à quel moment du temps j'aurai assisté à cela. Peut-être que actuellement, ça se passe actuellement, comme peut-être qu'il faudra attendre 10, 20, 30 ans. Mais sachant que d'après la prophétie bouddhiste, le grand monarque serait né dans les années 70, 30 ans, ça ferait un peu long, hein, parce que je pense qu'il faudrait quand même que ce grand monarque ait un âge assez mûr pour pouvoir diriger. Et bon, certains vont me poser la question, bah, s'il est né dans les années 70, pourquoi il n'a pas commencé à régner plus tôt? Bah, c'est que, vous savez, pour gouverner un monde, faut avoir de la maturité. Si vous prenez ce monarque à l'âge de 15-20 ans, il n'a pas la maturité nécessaire pour gouverner la planète. Donc cette maturité, il va l'acquérir en grandissant au milieu de tout le monde, en regardant ce qui se passe autour de lui. Les guerres, les conflits, les intérêts des uns et des autres. Il faudra qu'il apprenne tout cela progressivement. C'est pareil, il faudra qu'il s'instruise de la culture extraterrestre, hein, des nouvelles technologies. Ça, un jeune de 20 ans ne pourra pas le faire. Bien entendu, certaines personnes vont me dire, tout comme Edgar Cayce, peut-être que ce grand monarque, tout est enregistré dans son subconscient. Bah, je vous le dis, toute la programmation est dans son subconscient, mais on ne peut pas approcher ce subconscient. C'est-à-dire, avant de le faire naître, hein, on a mis comment dire, des codes pour protéger les informations qui seraient dans le subconscient. Parce que tout comme Edgar Cayce, je pense que le grand monarque, lorsque vous le plongez dans un état post-hypnotique, il peut vous divulguer beaucoup d'informations, il peut vous prescrire comment dire, des traitements pour vous guérir. Parce qu'il a le même pouvoir que Edgar Cayce. Son subconscient est surchargé à ce grand monarque. Mais bon, ça, je pense que même les gouvernements savent qu'on ne peut pas rentrer dans ces programmes qui sont insérés dans son subconscient, puisque tout doit se faire progressivement, au fil du temps. Vous ne pouvez pas rentrer dans son subconscient pour essayer de sortir des informations. D'ailleurs, n'importe quel hypnotiseur, s'il n'est pas autorisé à rentrer dans le subconscient, il ne peut pas rentrer. Et d'ailleurs, il y a des informations dans le subconscient de ce grand monarque qui ne pourront pas être divulguées, je pense.
Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. C'est pour cette raison que je vous ai dit que ce grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist sera très très lié aux extraterrestres. Et probablement que ces mêmes extraterrestres mettront à sa disposition beaucoup de matériel. Ce que j'ai vu dans mon rêve, c'est peut-être cette phase du programme de l'Antéchrist. Parce qu'il y a plusieurs phases dans son programme. Là, c'est la phase qui concerne l'activité extraterrestre. Et ce que j'ai vu, ben, je vous assure, ce sont des appareils antigravitationnels que j'ai vus. Hein. Et les uniformes, c'était bien des militaires français. Hein. Je ne peux pas vous dire où c'était, mais c'est ce que j'ai vu. Et depuis, ben, depuis, j'ai pas refait ce rêve. Hein. Je l'ai fait une fois. Hein. J'ai été surpris quand j'ai vu les trois militaires arriver avec leur sorte de petit appareil, bon, je ne veux pas dire un scooter, mais leur appareil antigravitationnel, ça m'a surpris parce qu'ils sont passés à une vitesse incroyable. Moi, j'avançais, puis ils sont passés. Ils ont continué derrière, je me suis retourné pour les observer, mais ils avançaient. C'est à ce moment que j'ai commencé à suivre un des militaires qui était rentré dans un hangar. Mais bon, je pense que sous ces casernes, il doit y avoir comment dire, une base. Je pense que l'Antéchrist va faire construire une base. Par la suite, il fera construire d'autres bases. Parce que là, vous voyez, pour argumenter la thématique de ma vidéo, je vous ai mis un plan d'une base souterraine. Mais bon, je vous rassure, hein, ça c'est une base que j'ai trouvée sur Internet, hein, c'est en image de synthèse. Hein. Il faut comprendre que lorsque ce grand monarque construira des sortes de bâtiments, en dessous, logiquement, vous aurez des bases qui vont s'étaler sur plusieurs kilomètres. Probablement que certaines des bases qui vont être construites en France dans le futur seront connectées entre elles via des téléporteurs, parce que comme il va recevoir du matériel extraterrestre, logiquement, il y a de grandes chances qu'on ait qu'il ait un système de téléportation, hein, pour permettre de téléporter les gens beaucoup plus rapidement. Ben, ce genre de technologie, les Américains en auraient peur, hein, parce que je pense qu'ils ont déjà compris qu'en France, l'activité extraterrestre va se développer à une vitesse grand V. Hein. Ils s'en inquiètent parce qu'eux-mêmes connaissent l'origine ethnique de ce grand monarque, hein, qui, comme je l'ai souvent dit, ne peut être que arabe, hein, donc musulman. C'est même précisé dans la prophétie de Nostradamus lorsqu'il parle du prince libynique puissant en Occident. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre. Nostradamus a crypté son œuvre, c'est indéniable. Il l'a fait pour nous faire parvenir plusieurs messages. D'abord celui d'un terrible danger à cause des puissances du monde actuel. Les armes nucléaires sont dangereuses pour l'humanité, et la folie des hommes également est dangereuse pour l'humanité. Ensuite, il nous annonce la venue d'un homme qui marquera son époque, parce qu'il va lutter contre les forces du mal. Nostradamus laisse de nombreux messages à cet homme. Et dans d'autres messages qui ne sont pas publiés ici sur ce diaporama, il le met en garde, lui demandant d'être très prudent. Jean-Paul II, lors de sa visite en France de la fin des années 80, avait parlé de cet homme en disant « France, vieille France, félicite-toi de la réincarnation du Verbe en ton pays. » Et ensuite il avait repris la même chose mais avec l'Europe. Il disait « Europe, félicite-toi de la venue du Paraclet. » Donc Jean-Paul II savait des choses au sujet de la venue de cet homme. Il lui laissait donc inconsciemment un message. Nostradamus s'adresse à ce même homme, assimilé au Messie, qu'il nomme Inril II, et le nomme